Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam et Yacine. Yo. Yo. Donc aujourd'hui, je vous explique, on est convoqué à une sorte de fête foraine. Il y a plein d'épreuves et plein de cadeaux à gagner. Myriam, elle a mis sa casquette. Vous voyez quand elle a cette casquette là? C'est qu'elle est là pour en découdre. On sait pas à quoi s'attendre. On va voir c'est comment. C'est parti. Ouais. C'est parti. Ouais, c'est tout droit devant là. Eh hey, Myriam et Yacine. Myriam et Yacine, on va faire les mecs aux armes inconnues. J'espère qu'on va pas trop se faire reconnaître quoi. Vas-y, rentre. Regardez, c'est ça l'affiche Myriam. Village été. Bon, allez, viens. Ça sent l'été. Bah on est en été, logique. Oh, il y a grave des trucs. J'ai dit, ça a l'air d'être incroyable. Eh, hey, je veux des cadeaux, hein. Moi je veux ramener des cadeaux. On vient d'arriver justement au village d'été. Il y a grave des trucs, des activités. Il y a du karting, du trampoline, du foot. Franchement, il y a des trucs de foot, je vais commencer par quoi? En vrai, je suis... Ça, en gros, c'est un pass. À chaque fois qu'elle fait une activité, on va lui tamponner et après, à la fin, elle aura un cadeau. Bon, les gars, pour s'échauffer, on va passer au premier exercice. On va voir Yacine contre Myriam au ping-pong. Ensuite, on ira là-bas, là. Myriam, dis-moi que tu sais jouer au ping-pong. Bah oui, en plus à l'école on faisait des stages de ping-pong. Ok, vas-y, joue contre Yacine. Yacine, il est chaud. Hein. Super Myriam. Oui. Incroyable. Là, Myriam, elle est en train d'enlever ses chaussures. Elle va faire un 1v1. Ici, là, en gros, ils doivent courir tout ça. Et après, ils doivent glisser au fond. J'espère qu'elle va pas me décevoir. Hein. Myriam, faut que tu arrives en première. Hein. Regarde comment ils vont faire eux. Regarde. Oh non, elle est tombée au départ. Ne tombe pas au départ. Ok Myriam. Tu vas être mouillée de toute façon. Allez Myriam, 1v1. Oh, elle affronte un mini Moïse. Allez Myriam, bombarde. Accélère, accélère. Oh non, Joras. Oh, il lui a mis boulette. Vite, vite. Oh là 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 là. Elle a perdu. Contre un enfant de 4 ans. Mais Myriam, elle est nulle à tout. Je sais pas c'est quoi son point fort. Je crois que son point fort c'est de regarder. Alors, ouais, j'étais nul. Regarde. Ouais, t'es nul à tout. T'as tiens. Ramené ça, tu mérites même après pas. Après l'effort, le réconfort, tiens. Tu mérites même pas, après, frère. T'as perdu contre un enfant de 4 ans. Qu'est-ce qu'il... Il avait peur de glisser et de me mouiller partout. On a un nouveau jeu, donc là il faut rentrer les frisbees dans le panier. À chaque frisbee rentré, Younes te passe 50 euros. Quoi? Bah ouais. Mais de toute façon, vu comment elle est nulle, viens, on va regarder le jeu comment il est. Eh, par contre, si même ça elle arrive pas, j'abandonne. Mais elle me parle plus, autant que je te donne pas 50 euros, je m'en fiche. Regarde, on va aller au frisbee. T'inquiète pas que tu vas me les donner, moi, les 50 euros. On verra, bah t'as qu'à la mettre, regarde, ils arrivent pas. Wow. Regardez comment ils font. Regarde, Myriam, comment ils font, ça va te donner un exemple. Attention. Oh, il a presque réussi. Tu penses que tu vas réussir? On va de ce côté. Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez Myriam. Oh, dommage. Allez, c'est à toi, concentre-toi. Regarde, regarde. Je vois là. Tu as dit ta direction finalement. Dommage Myriam. Oh. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Allez Myriam, concentre-toi, envoie-le plus vers droit, l'extérieur. Regarde, je mets comme ça et t'envoies droit comme ça. Faut que ta main parte là. Comme ça, t'envoies droit. Mais non, mais c'est pas. Lui, tu montrais comme ça. Là, tu tournes, regarde là. Voilà, ici. Et après, t'envoies droit, tu vises. C'est pas dommage. Younes, il fait le malin, vas-y, essaye maintenant. T'as un essai, toi, vu que t'es grand. Non, deux au moins. Allez, c'est parti. Oh non, faut que je tire plus à droite. Dernier essai. Ouais. Vraiment, parce qu'avec les claquettes, elle. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y, dernier essai. Oh, aïe. Oh, j'ai le seum. T'allais prendre de la hausse comme ça. Au moins, j'étais plus proche que toi. En vrai, je vous promets, c'est pas facile. Mais maman, elle serait grave forte quand elle nous lançait des claquettes, toujours à nous toucher. C'est vrai. Maman, t'aurais dû venir, t'aurais gagné. Là, c'est les deux plus forts. Oh là là. Po. Il l'a fumé, hein. Incroyable. Oh, ça me parle, ça, Younes, j'ai envie d'aller jouer là. Vous savez, quand on était petit, ça. On avait une équipe avec Younes, on tabassait tout le monde à sauf la piscine. Sauf que c'était du sable. Ouais. C'était du sable. Et je me rappelle, c'était des équipes à 5, on tabassait tout le monde. En mode, il y avait un terrain de foot et derrière la piscine. Ouais, c'était incroyable. Oh, regardez les frères, il y a une tyrolienne. Faut que tu fasses vite. Il y a une tyrolienne, Yacine. Ouais, mais elle est fermée, on n'a pas le droit, frère. Comment ça, elle est fermée? Il y a un jeu, Younes, un jeu par équipe. Okay. Myriam, on va voir si elle va réussir. Ils ont des quilles, je crois. Ça fait 3 contre 3. Let's go. C'est quoi le but du jeu? Dans la balle avec ok, c'est comme du foot sauf qu'ils ont ça. Gagne ton premier jeu s'il te plaît. J'espère qu'elle va être fort à ce jeu là au moins. Je sais pas. Allez Myriam, fais la passe, bien joué, monte maintenant Myriam. Qu'est-ce qui se passe là? Ça passe pas. Super Myriam, ça passe pas. Dégage le ballon.
Oh non, elle a... Oh, c'est quand? Mais c'est pas possible. Faut que tu nous donnes des conseils. Myriam, va en attaque, monte d'un cran. Fais la passe, bien joué. Allez Myriam, bien joué Myriam, la défense. On attaque Hakimi. Elle a joué au pied. Oh Hakimi, c'est le meilleur joueur Hakimi. Hein. C'est le meilleur joueur. Fini. Oh le cafouillage. On pousse pas monsieur, faut pas pousser. Hein. Sans pousser. Hakimi. C'est trop. Oh faute. Oh la faute. Allez Myriam, 1v2. Oui super Myriam, allez va au but. Fini. C'est bien Myriam, avance. Fini. Oh là là, allez Myriam, arrête là. Myriam, viens écouter, viens. Donne-lui une gorgée, elle a besoin. Tiens, prends une gorgée, ça va te donner d'énergie. Allez, changez de gardien, Myriam, va en attaque. Voilà, viens la passe. Oh oui, Myriam. Non, elle a failli marquer. Elle fait un changement. Tiens. Vas-y, va marquer. Il faut un joueur pour les bleus. Moi, je vais. Les frères, on va payer avec Myriam. Dès que les mecs vous ont bâtonné, c'est 50 euros, 10 euros, 5 euros. Oh ! Mais 10 euros, ça nous a dit 5 euros. Voilà, 10 euros. Toi, t'es vraiment une rat des égouts. Elle me dit, on y va. C'est une dinguerie. Pourquoi tu voulais pas finir ? Eh, hey, mais tu sais que t'aurais attendu deux attractions, t'aurais eu un cadeau. Là. Bon, au magasin, tu me payes ce que je veux. Vous avez vu comment elle est? T'as perdu à la raison par contre. Déjà que t'es nul à tout, on n'arrive pas à trouver c'est quoi. Eh, hey, dites-nous c'est quoi le domaine où elle pourrait être forte, on n'arrive pas à trouver. La gym. Vas-y, fais une roue vite fait. La boxe aussi, attends. Tu mets chaussures avant de partir à l'autre bout de la terre. Fais une roue, arrête de parler chinois, tu parles toute ta vie de la gym. Attends. Oh là là, elle m'a envoyé une chaussure. On va aller au magasin, je crois que c'est mieux. Myriam, il fait super chaud, prends des glaces. Regarde, il y a quoi? On a Kinder, on a Smarties. On a Kinder Bueno. What, mayonnaise? C'est quoi ça? Ils ont fait des M&M's en glace. Ouais, mais attends, des cannes. C'est incroyable. Ah, c'est des vrais M&M's. Mais regarde, il n'y en a que 9 et c'est 6 euros. Ah, j'avoue, 6 euros, mais rien, tu n'auras plus de budget après. La masterclass, les mecs. Je crois que je vais m'en prendre plus tard. Hein. On a des glaces Spéculoos. C'est la première fois que j'en vois de ma vie. C'est 4 euros la glace. En vrai, ça va. On va prendre une autre glace. Par contre, papa, il va tout manger. Il te reste 6 euros. Papa, il va tout lui tuer, ces glaces. Ah, papa, il va tout manger. Regardez comment ils sont intelligents. Deux paquets de glaces achetés, t'as un sac M&M's offert. Mais on va regarder le prix des glaces aussi. Ils ont fait un frigo de tous les meilleurs glaces. Regardez, 6 euros, 4 euros. Non, regarde, 3 euros là. Bounty, 3 euros. Il me reste 6 euros, c'est parti. On va aller acheter une boisson. Ok, là c'est un bon choix. Ouais, j'avoue, Oasis Tropical, combien? 1 euro. 1 euro? Comment ça, 1 euro? Tu te fiches de moi, c'est la bouteille. Le paquet fait 3 euros, donc 3 divisé par 6, ça fait combien? 3 divisé par 6. T'as pas appris à l'école? Dites-lui dans les commentaires 3 divisé par 6. Je sais pas. Elle a 46 ans. Mais va prendre un paquet de bonbons normal, quoi. C'est mieux. Oh, y a... Tu cherches quoi? Des bonbons qui pétillent dans la bouche. Mais prends un paquet normal qui pétille dans la bouche, genre là, on va trouver. Ils sont là, regarde, il y a marqué longue bise. C'est-à-dire que tu les mets dans ta bouche, ça fait. Donc on prend ce. Ok, on va voir le prix. 1,06€. Eh, hey, calcule grave bien, ça fait que pour l'instant, il te reste 5€, 4,50€. Eh, regarde, t'as ceux-là aussi. Bulbis Bulbis. Ah mais c'est bon. Après, elle aura des caries, faudra aller à Paris au dentiste et la refaire. Ensuite, c'est bien, j'aime bien la progresser. Tu veux quoi maintenant? Pour mes 4 euros qui restent. Elle pense déjà à demain matin pour le petit déjeuner. Je prends des Nesquik, mais je t'explique. Là, elle est marquée bio, 4 euros. Et les Nesquik Normal Diabète, 2 euros. Donc soit... Oh, le paquet, il est beaucoup plus balèze. Tu préfères prendre... 4 euros. Mais il y en a moins. Regarde, dans celui-là, il y en a plus. Et alors? Ok, mais c'est elle préfère sa santé. C'est-à-dire que là, t'as plus rien, alors que si tu prends ça, t'as 2 euros encore. Ok. Oh là là, comment ils m'ont fatigué, je suis KO fin de journée. Elle est en train de taper son goûter, en vrai, on s'est super bien amusé. Et je commence juste un peu à aimer l'été. Je disais toujours que moi, je préfère l'hiver. Mais j'avoue, l'été, il y a des jeux et tout. L'hiver, il n'y a pas ces jeux-là, ils caillent tout le monde chez soi. Et c'est ça qui est bien. Mais c'est bientôt l'hiver, je suis content. J'espère que ça vous aura plu. Petite dégustation, alors c'est comment ces glaces? Incroyable. Vas-y, bah, laisse-moi taper un petit croc vite fait. Non. Bah, moi je sers à rien alors dans l'histoire, je peux jamais manger, toujours là. Likez, abonnez-vous et vous croyez vraiment que je vais partager la glace avec lui? Ça se partage pas une glace.